à l'invité du midi. Merci de votre fidélité à cette émission. Si les gangs sont puissants et ont tendance à devenir de plus en plus puissants, c'est qu'il y a forcément une explication à cette réalité. Comment comprendre l'expansion des gangs et le phénomène du banditisme en Haïti? Pourquoi les gangs sont-ils si à l'aise pour opérer en toute impunité et sans être inquiétés? Est-ce qu'ils sont de connivence avec l'État ou parce qu'ils utilisent la population comme bouclier? Un seul Salomon, ancien policier, sociologue, spécialiste en investigation criminelle et avocat, a fait paraître en 2015 un premier livre intitulé « Haïti, police et société, comprendre la police nationale ». Il fera paraître bientôt un deuxième ouvrage intitulé « Les dessous de la criminalité organisée à Port-au-Prince, comprendre l'origine de la puissance des gangs ». Ce serait donc son troisième ouvrage et paru et sous le thème de l'insécurité. Nous avons donc le plaisir, à l'espace de l'invité du midi, de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, Maître Salomon, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, Samy. Mm-hmm. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ah oui, et c'est un plaisir tout pour nous recevoir parce que nous avons fait comme insécurité, c'est le Kébé, nous. Ouais, c'est l'actualité qui nous tient. Et partout, hein, ça nous tient aussi par les tripes. Et ça nous tient par la tête, puisqu'on y pense constamment, ça nous tient par les tripes parce que ça nous fout la trouille. Et cette insécurité grandissante tous les jours. Donc, moi-même, comme journaliste et présenté émission ça, m'intéresser à chercher un discours autre que ça ne connaît, hein, sur la police, sur la situation de sécurité, sur la sécurité, comment nous sommes capables de comprendre la mieux. Ou même à plusieurs titres, ou intéressant dans la mesure où vous êtes policier, c'est-à-dire que vous avez fait l'expérience, vous avez dit, vous avez fait combien de temps? 18 ans. 18 ans comme policier, c'est déjà un bagage extraordinaire à mobiliser. Deuxièmement, et ça c'est lieu nous partager ensemble, non, c'est sociologue. Et troisièmement, c'est avocat. Et vous avez une spécialité en investigation criminelle. Donc, tout est chapeau ça, capable de combiner ensemble pour permettre de comprendre puis bien que ça va vivre là. Et peut-être aider les gens qui attendent là, contribuer au débat. Parce que aujourd'hui, il y a un débat dans la société sur cette histoire d'insécurité qui, comme je disais tantôt, nous tient à la fois par la tête et par les tripes. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous échanger aujourd'hui dans l'émission. Merci. Mm-hmm. Alors, on va commencer par le alors, sujet, je dirais, c'est comment nous sommes capables de comprendre plus ça gagne puissant, je dirais. Puissant, comme ça. Mais en guise d'entrée en matière, et on t'a demandé, comme ancien policier, déjà, avec qui est-ce que moi vivre et situation ça n'a vivre là, on garde l'impuissance de la police, on garde. Donc, vraiment, on côté une population aux abois, comme on est entraîné à servir et protéger, avec qui est sentiment à vivre situation ça. Bon, m'a regardé avec la mort dans l'âme. Bon, en tant qu'ancien policier, mm-hmm. on pas précédé la police impuissante, on est capable de dire la police inopérante. Ouais. Parce que grande différence pour nous faire entre inopérationnalité la police là avec impuissance la police là. Mm-hmm. Lors où est la police ou l'État. Oui, d'ailleurs, ouais, c'est le bras armé de l'État. C'est à travers policier, l'État personnifié. Mm-hmm. L'État sont fictions. L'exercice, ce qu'on appelle le contrôle de la violence légitime. Légitime. Mm-hmm. Donc, l'État, tout, autant que l'État existait, autant que la police existait. D'ailleurs, mm-hmm. sans la police, là, sans la force, eh bien, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas l'État. Donc, la police inopérante. Maintenant, est-ce qu'on a rendu inopérante la police ou la police est devenue inopérante? C'est la question. Je crois que vous rendez la police inopérante, mais la police pas impuissante. Ok. Si nous avons une histoire sur ce qui a passé aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, nous avons 4 puissants gangs. Ouais. Qui occupait le Grand Port-au-Prince. Uh-huh.
Alors, le nous dit le Grand Port-au-Prince, mm-hmm. nous prend quoi des bouquets et Ribé jusqu'à Maroc. Oui, la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Hein? Ou gagne les 400 maros à l'est. Mm-hmm. Ou gagne. Ou gagne. Au sud mm-hmm. de Port-au-Prince, où gagnent les villages de Dieu. Mm-hmm. Au nord de Port-au-Prince, où gagnent Grand Ravine et Tibois. Mm-hmm. Safarou et ça vaut 4 puissants gangs. Mm-hmm. C'est 4 gangs ça, yo, qui sont opérationnels, qui mettent nous tous dans une situation difficile chaque jour. Mm-hmm. Maintenant, il n'y a pas arrêté comme ça pour prendre naissance. Ouais. La police travaille. Sous trois angles. Mm-hmm. Il y a un angle de dissuasion, mm-hmm. il fait prévention, il dissuade des gens pour faire ça que passe. Par sa présence même, c'est déjà un acte de dissuasion. Ça, tout à fait. Mm-hmm. Ensuite, la police fait opération. Et dans l'opération, la police, surtout en matière de criminalité, en matière de débattement des gangs, mm-hmm. résultat c'est toujours arrestation et la mort. Mm-hmm. Une ou l'autre, ou bien les deux à la fois. Oui. Mm-hmm. Maintenant, regardez, depuis sortie Gédéon, mm-hmm. la police fait opération, mais on parle de résultat. Mm-hmm. On va comparer la Jodia, non, bien entendu. Jodia a plus ou moins de résultat. Oui, oui, plus ou moins. C'est le cas dit ça. OK? Mm-hmm. Mais bon problème. Est-ce que la police fait opération pour le faire mon courir ou bien fait opération qui répond avec deux objectifs principaux, yo, mm-hmm. à savoir arrêter ou tuer? Mm-hmm. Bon, ou stopper dans le langage technique. Là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quatre gangs montent en puissance. Alors, le gang ou le bandit il doit être incessamment traqué. Ça, c'est le principe. Mm-hmm. Maintenant, pour. Il ne doit pas être à l'aise. Non, non, oui. Mm-hmm. Le bandit ne doit pas être à l'aise. Mm-hmm. Depuis, il est à l'aise, la brande l'autre monde pas à l'aise. Oui. Parce qu'il vit au dépens des autres. Mm-hmm. Maintenant, si nous avons élaboré plus, mm-hmm. on gang son bande de criminels. Yep. Et on bande de criminels conscients de leurs actes de criminalité. Mm-hmm. Parce que il y a la criminalité ordinaire, il y a la criminalité organisée. Yeah. Où on doit faire un bagaille là? La criminalité ordinaire, là, on dit son nègre là qui veut, il vole un bagaille, ou bien il font voie de faisceau. Et... Deuxième, non, d'accord. Okay, mm-hmm. Oui. Ou qu'à fond, bagaille, mon pas connaît, c'est la loi punile. Oui. Mais ce que vous faites. Mm-hmm. Donc, ça entraîne dans le cadre de la criminalité ordinaire. Mm-hmm. Alors, premier volet, c'est ça, tout. Mm-hmm. Alors, c'est lui qui deuxième pas maintenant. Mm-hmm. Ou bien doit faire une action criminelle par nécessité. Oui. Mm-hmm. Ou. Ça, il est en légitime défense. Ou bon, tout à fait. Mm-hmm. Ou qu'à un problème, tout. Ou suspecte M. Sagan Kob dans Meni et vous dit bon, ou font coussouler. Mm-hmm. Ça c'est bah, qui fait de tous les jours. Mm-hmm. Mais l'autre est un crime organisé. Ya. Qui punit tout. Qui punit. Ouais, tout à fait. Ça, mm-hmm. C'est mm-hmm. ça que vous dites. Nul n'est censé ignorer la loi. Où on a fait avec toute une structure, mm-hmm. toute une organisation. Il y a une hiérarchie. Il y a toute façon mm-hmm. organisé. Yo. Oui. Mais et c'est tout, une armée. Hein. Tout à fait. Et tout le monde qui l'a donné connaît déjà, il a fait des bagailles qui hors la loi, qui n'ont pas gagné pour louer avec la loi. Mm-hmm. À ce moment-là, l'a arrangé pour vivre autant de, comme tu as dit, le plus longtemps possible. Mm-hmm. Et plus les vivent, c'est plus la mettre en nuit dans la vie l'autre. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ça, ou même l'État qui a une première fonction, c'est sécurité moun yo, mm-hmm. parce que vous payez l'État. Première fonction, c'est pour la sécurité. Oui. C'est pour vivre en paix. Oui. C'est l'ordre là. Sans l'ordre, c'est le chaos. Mm-hmm. L'État n'a pas existé. Et bien, c'est ça que fait la police à lui-même. Avant d'opérer, il vient pour collecter l'information. Ouais. Pour traiter l'information. Mm-hmm. Après ça, pour l'agir. C'est ça, me CTA. Mm-hmm. Collecte, traitement et action. C'est action. Mm-hmm. C'est ça qui fait ou capable. Dans tout pays du monde, la police toujours gagne un système d'investigation qui a fonctionné. Mm-hmm. Il y a bien des enquêteurs qui ont cherché information. Et mais leur information, il faut capable traiter information parce que ou capable gagne mauvaise information. Mm-hmm.
Et l'offre une traiter information pour agir. Maintenant, la police, Port-au-Prince, on nous dit ça comme ça. Il n'y a pas besoin, on l'ode de palais national, de directeur général là pour le faire intervention, non? Ni pour chercher information, non? Mm-hmm. Le commissaire de Port-au-Prince. Ça fait travail et ordinaire, lui. C'est tâche, lui. Mm-hmm. C'est tâche, lui. Le commissaire de Port-au-Prince, il gagne pour mission pour l'ordre respecter le Port-au-Prince. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que il gagne moyen pour intervenir? Mm-hmm. Ça, c'est autre chose. Maintenant, moyen, qu'est-ce qui vous balie, lui? Directeur général. Qu'est-ce qui vous balie, directeur général, moyen? Gouvernement. Mm-hmm. Maintenant, c'est le ça fait. La police, Port-au-Prince, mandé directeur général. Il pas joint, directeur général mandé gouvernement, il pas joint. Ah, gros problème politique là. Et c'est ça n'a pas cherché qu'on est. Parce que si la police pas gagne moyen d'ailleurs, dans situation pays a yé là, si on t'a dit 50% budget national là, la police pas de problème avec ça. Oui, mais il y a monde qui même prêt pour taper de nouveaux taxes. Tout à fait. Pour qu'à résoudre le problème, non? Et personne n'a pas de problème. Uh-huh. Si on t'a dit 80% budget à joindre la police. Parce que le monde n'a pas qu'à vivre dans Port-au-Prince. Uh-huh. Donc maintenant, qui ça a passé? Est-ce que le service d'investigation de Port-au-Prince n'a pas marché? Est-ce que le système de renseignement, la police en général, n'a pas marché? Uh-huh. Parce que de toute façon, le renseignement, ou capable d'être informateur. Informateur, on citoyen capable d'être informateur. Mm-hmm. Un bon citoyen capable d'être informateur de la police. Mm-hmm. Même j'entends la police capable d'acheter information. D'ailleurs, l'information, ça coûte cher. Mm-hmm. Ça se vend et ça se vend à prix fort. Mm-hmm. Puis, quand j'aime fier au monde qui a fait passer pour un volontaire qui a bon information. Mm-hmm. Il est beaucoup plus facile pour le piégeau que le bon information. Mm-hmm. Donc, il est important. Pour que c'est acheter ou acheter information, hein, ou bien ou infiltrer l'organisation criminelle. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que la police fait ça ou ça pas marché? Il n'a pas dit nous ça. Maintenant, le pape garde l'inopérationnalité de la police, pour nous m'accuser, c'est l'État. Et le mal cherché qu'on est, pour qui ça, l'État rend la police inopérante, c'est étonnant. Hein? C'est étonnant. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui est passé? Depuis, je me songe en 2019, décembre 2019, je suis allé à Haïti, à l'étranger. Mm-hmm. Et puis, mon cher, il m'a dit, c'est pas des kidnappings qui pas en Haïti. Mm-hmm. Je me dis, ah, généralement, le mois de décembre, toujours des kidnappings. Ouais. Parce que, je me dis une explication pour lire ça, je me dis une information que, bon ensemble d'individus mm-hmm. qui étaient impliqués dans l'opération Bagdad, mm-hmm. Et après départ à Aristide, c'est des gens qui étaient livrés au corps et âme pour défendre le pouvoir, la valace. Mm-hmm. Leur préval montait. Préval était. Dans le discours, il te dit qu'il mm-hmm. préférait remplacer chariot par tracteur, mm-hmm. pensant que c'est travail peuple a besoin qui fait des problèmes. Ça. Mais mm-hmm. finalement, le préval arrive au moment, il voit que c'est pas de saleté, vrai. Mm-hmm. Et finalement, il t'a pas fait un discours qui marquait tout le monde. Oui, quand il te dit que c'est soit mourir, mais déposer les armes. Mais déposer les armes. Donc, il fait commission nationale de désarmement. De désarmement, premier. Et CNDDR. Mm-hmm. Mais qui n'a pas marché. Et que finalement. Patrick Fusemé, la donne. Bien, Patrick Fusemé. Alors, Boulon, pour les gens qui connaissent. Qui mourut, malheureusement. Qui regretté de mémoire, hein. Il n'y a pas de résultat pour qui ça? Parce que, ou pas fait commission ça yo, dans le cas ça yo, pour banditisme. Yo prend naissance dans des situations post-conflit, armées. Mm-hmm. Je pense que Préval, lui-même, il te comprenne que, Négio, c'était des hommes qui étaient impliqués dans le conflit armé, qui étaient mm-hmm. conviction, qui étaient défendre au point de vue politique. Ouais. Et leur rival, les joignent, c'est des grands bandits. Mm-hmm. Donc finalement, il vient décider de passer en force et qui pourrait le maquiller avec, alors qui pourrait le joindre avec une autre pratique côté que de temps en temps, chaque mois, vous voyez comme Bayo pour séparer dans la base. Mm-hmm. L'agent ça, que nous avons reçu presque chaque mois, c'est un agent qui a un problème.
Parce que en dans gang là, en dans base là, l'argent mal séparé. C'est ça que tu as pas le fort avec oui, eux. Toujours gagner cap plus etc. Et puis chaque monde qui ouais parce que monsieur son chef qui fait le plus. Donc ambition c'est venir dans ouais. Donc nous parlons ouais que comment d'autres tête calé pas le doit et etc. jusqu'à ce jeudi arrive dans il appelé qui encore là. C'était ça. Et à chaque fois l'argent l'état en retard. Donc là nous même nous relais ça, nous qualifier ça et on et achat de la paix. Bon préval te fait dans sens pour te acheter la paix. La paix en fait ça se mérite. Ouais. Ah, ça se mérite. Et à chaque fois que l'argent en retard, vous prenez la OUIA. Vous faites kidnapping. Vous faites kidnapping. Pour compenser l'argent pour arriver. Le kidnapping retourné à partir de 2019. Et puis, on dit waouh, bon problème là. Et le président Jovenel choisit. Réactiver CNDDR, on dit bon, nous mettons les pirates. Et nous mettons assurés que nous problème n'a pas résoudre. Parce que CNDDR, il y a un résultat dans la situation post-conflit armé. Nous pas dans la situation de conflit armé, là, nous dans la situation de grand banditisme. Généralement, nous savons c'est des gens soit qui ont fait conflit armé sous base idéologique. Sous base idéologie. Ils ont charrié toutes nos revendications. Oui. Tout à fait. Donc c'est ça, c'est le ça où besoin, on situe où besoin au CNDDR. Et dans le cas ça, c'est la police qui vous fait travailler. Tout à fait. Dans le cas grand bandit, c'est la police qui vous fait travailler. Parce que le bandit doit être systématiquement et incessamment traqué. Il n'y a pas de droit à l'aise. Oh, si vous pas approché le Kounia là, pour faire connaître que ah, vous comprenez ces problèmes qui fait la faire ça, etc., ah, vous mettez dans la situation pour justifier ça le faire. Ou vous mettez. Dès qu'on est déjà la nuit, mon, il connaît déjà la violer la loi, oui. On dit ah, mon cher, c'est pas faute lui. Nous mettons dans la situation pour dire ou faire le connaître, ce n'est pas faute. Alors, il connaît ses fautes. Son discours, ou jeune, qui est relayé par un paquet de médias. Oui, et il y a plein de monde qui parle dans ce sens. Et ici, souvent, nous essayons de faire contrepoids parce que, on prend, et, par exemple, les gens qui sont dans le quartier populaire, et dit bon, les gens sont dépourvus de tout, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de l'école, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas l'autre. Bon. Mais, pour qui ça, c'est pas tout le monde dans le quartier populaire qui a des âmes. Il y a tout le pays à tout. Oui. C'est tout le pays qui a des âmes. Tout le pays a des problèmes. Donc ça veut dire, si vous avez des bonnes âmes, faudrait-il bien que vous déjà une activité criminelle. Tout à fait. Tout à fait. Donc, monsieur Sayo, il est prêt à utiliser encore par monsieur politique yo, en perspective. Alors, pour parti. À la conquête du pouvoir ou pour consolider le pouvoir. C'est diminuer rien et nous vienne baio nous vienne ba en conscience de tête. Yo vienne conscient que yo son pouvoir. Yo son pouvoir. Donc yo existé donc par conséquent yo son entité à part entière dans le pays. Ils sont des faiseurs de roi. Donc yo gagne importance. Oui. Donc et soit suivre tout discours politique yo. On pas besoin de trop leader politique qui j'aime même dire que ça a fait pas bon. On pas besoin ça non. Regardez tout discours. Tout le monde dit pas faute yo, c'est la misère, ces gens yo. C'est parce que qu'on est yo quitté ghetto, yo laissé pour compte. Voilà. Ya. Yeah. Donc mais quelque part, il y a quand même cet individu qui lui-même avec toute conscience lui l'entrée non organisation criminelle, il connaît la fait crime. Et théoriquement, pour cela, il mérite d'être puni. Théoriquement, à moins d'un déclic, pas grand-yon qu'a fait, pas grand-yon qu'a offri un bandit pour le quitter Zakli. Comment vous comprenez? Vous dites théoriquement? Théoriquement, oui. On est qui dans la zone, ni. Côté li dans la zone, ni. Li met tout le bagay. Li met vie, li met bien. Tout l'argent qui est côté li, c'est pour lui. Toute fille dans la zone liée, c'est pour lui. Oui, tout le monde a ses pieds. C'est comme un roi. Et pour qui soit prêt le bali? Et si vous rappelez bien, un type bandit, un type qui bandit, pour justifier Zakli, il dit que ça a 3 mois depuis que vous avez 30 000 dollars américains. Bali. Écoutez, mais qui ça? En Haïti, vous avez 30 000 dollars américains, il n'y a pas 3 mois. Ouais.
un professionnel, c'est le salaire d'une année même. Et dans certains cas, pour des gens en fonction publique, là, c'est le salaire de plusieurs années. De plusieurs années de travail. Donc, regardez que ça va pas freiner pour les sacs faits kidnappés dans cette bolette-là. C'est pour comprendre que, ou pas gagnant qu'à offrir aux bandits en échange. En rien. Théoriquement, pas gagnant qu'à offrir. Bandit, destin, c'est prison ou la mort. Théoriquement, c'est ça lié. Mm-hmm. Donc, lorsque vous arrivez dans cette situation, ça, ah, on dit bon, l'État, il met mal dans sa mouille. Alors que son l'État qui détournait de sa vraie mission. Mm-hmm. Parce que si mission première, li, c'est bah, mon sécurité. Alors que vous trouvez dans une situation comme ça, contexte c'est l'État même qui a justifié Zach Negla, qui a justifié Zach Li. Et donc on en a trouvé dans une situation pour la réclamer du droit d'être criminel. Donc c'est son absurdité. Mm-hmm. Vous trouvez en face des bandits, des criminels. Mm-hmm. Qui réclame le droit d'être des criminels. Oui, mais point de vue, et si vous permettez de me retourner sur ça un moment, point de vue qui t'a voulu faire quoi que. C'est pas que c'est pas faute, you know? C'est point de vue qui t'a voulu expliquer la réalité, comme quoi c'est l'absence d'infrastructure dans la zone et périurbaine. Mm-hmm. Ça n'a pas les ghettos. C'est l'absence d'activité sociale, culturelle qui peut permettre aux jeunes même de mieux intégrer. Il y a une certaine valeur, mais il y a une valeur au sens que il crée pour bandits, qui c'est bandit, on est d'accord, on pépinière, ouais, il crée une pépinière, et puis il vient rendre que l'opération est facile, parce que il y a une population ça facilement comme bouclier, tout à fait. Ou bien il y a acheté le tout avec des petits monnaies sur il fait un kidnapping. Non? Et par peur ou par volonté, et parce que je suis sous état d'une période, je t'ai parlé de la bombe sur le village de Dieu, etc. Donc, tu es tout le monde qui est là parce que ce n'est pas quelqu'un qui est innocent là. Donc, tu as dit qu'en pile, l'autre façon, tu as expliqué, mais je suis d'accord avec que le bandit qui lui-même personnellement décide d'entrer dans l'organisation criminelle, il compte ça l'a fait. Point de vue ça, je vais développer dans la recherche pour bientôt. Sauf que je ne parle pas. Dans le sens pour bandit, dans le sens pour mon yo. Ouais. Alors, dans le sens pour quartier. Ouais. Port-au-Prince, pas de toute zone ça. Yo. Et depuis, sous Duvalier, on a préparé ça. Duvalier était venu avec VSN. Mais le monde qui était VSN, non, il était plus un citoyen policier que le tortionnaire. Après de gros marques de loup, des bourreaux, ils étaient recrutés pour te faire torture. Mais la majorité des gens qui étaient miliciens, c'est des gens qui étaient des policiers dans la zone de la Kayo. N'importe qui a eu les ou bien ils ont intervenu. Mais tout pendant du Valier, pendant 29 ans, nous n'avons pas rien pour apporter et services à eux. Alors les services sociaux de base, bah, ils sont là. En dehors, surtout. Parce que la majorité des gens qui ont fait quartier ça, c'est moi qui sorti dans la province. Uh-huh. Moi-même, c'est dans la province. Mais il faut me dire tout. C'est, même ma territoire, c'est parce que je n'ai pas l'école là. Je finis de faire un certificat. Il y a un seul lycée qui prend un garçon dans Jacques Mel. Donc, il n'y a pas tout le monde dans le sud-est. Pour tout le sud-est. Tout le sud-est, net, c'était un seul lycée. C'est le sud-est, alors. C'est le sud-est. C'est le seul lycée Péchina. Pour tout le sud-est, net. Donc, je suis obligé d'entrer dans le lycée filmé pour la province. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je suis obligé de venir dans le Port-au-Prince. Comme l'État n'a pas porté service, il y a des gens qui viennent chercher dans le Port-au-Prince. Et deuxièmement, avec la pratique de Duvalier pour le fêter, pour le 1er mai, pour, et 22 mai, 22 mai pour le fêter et succès, pour le fêter gloire, ou bien élection, il réunit les gens qui sont là chaque année. Et ils viennent chercher au lacay, ils ne peuvent pas mener autour d'accord. Ils ont tout été là. Et les gens qui sont venus dans la ravine, ils ont fait tout dans la ravine, etc. En marge de la ville de Port-au-Prince. Donc, on peut commencer, il y a un paquet. C'est des gens qui vivent dans le trou, vraiment. Tout à fait. Un paquet de petits quartiers qui sont poches ou citadelles imprenables que nous avons construit depuis l'heure. Maintenant, moi, je me songeais, le map sur Jacques Mel rentré à Port-au-Prince, tout le monde était vide. 87, 88, était vide. Vide net, c'est une antenne radio qui était bon en mer.
jusqu'à ce qu'on arrive sous Bissonneur. Pas de gagner, caille là-dedans. Donc, mais moi, je songe tout, c'est 88-89, tout le monde s'est construit. L'État n'a pas intervenu. Pour dire non, nous pas qu'à faire comme ça. Au contraire, l'État même semblait participer à encourager. Non, c'est soldats qui t'a volé en bas pour un corps. C'est soldats là même qui t'a fait ça. Et bon, de même. Oui, c'est soldats, c'est un paquet de t'a volé en bas. Non, bon, de même. Là, c'était soldats qui envahit tech qui t'a volé. Moi, j'ai encore 1992-93, Village 2 et Solidarité a construit. C'est même bagarre là toujours. C'est militaire encore qui est entré, qui prend 20 monde. Pas de gravine. Gravine pour quoi exister. Nous avons habité Fouchard. Lorsque nous avons été tête Fouchard, ou entrer dans notre corridor, l'autre arrivé, ça y est, pas de gagne encore. Ça ne veut pas gagner. Tu t'es fait frais parce que tu es grand pile vieux bois. Nous avons fait un mercredi, à Maranatha. Lorsque Maranatha n'a pas de gagne encore tout. Donc c'était grand bois qui était là. Donc toute zone ça vient construire par la suite, mais il vient constituer en des poches de sécurité, des poches de gang. Des poches de pauvreté tout. Des poches de pauvreté. Donc ça, il vient jouer effectivement dans alimenter sécurité, dans source de criminalité. Mais en même temps, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas 80% de monde qui vit dans zone ça qui est criminel. Oui. 80% de monde. Il y a quand même un petit groupe qui a fait choix de devenir. C'est des otages des criminels. Les criminels, ils prennent en otage. Et ils viennent faire tête de manière, comme on dit, objectivement, des complices de criminels. Donc c'est ça lié. Mais au fond, celui qui a choisi d'être un criminel ou un bandit, il a fait son choix. C'est, il parle via ou même pour dire que ce n'est pas faute lui qui fait le criminel. Djobou, comme l'État, c'est tranquille. Maintenant, aucun problème. Il n'y a aucun problème que l'État est intervenu dans la zone pour le porter l'infrastructure pour empêcher de recruter Tipiti. Parce qu'il y a un paquet de monde, il y a un paquet de jeunes garçons, et à peine si vous majeur. Qui est impliqué dans le bagage ça. Oui, il y a même des enfants, pas seulement des garçons, il y a même des enfants. C'est des monde que monsieur prend comme ça, fourré dans le bagage là, et puis il y a un petit cob. Le chef reste le chef, il kembe tout ça pour le kembe, et puis il y a un petit bagage pour vivre. Oui. Donc c'est précarité à qui mène tout le monde ça. Dans ça. On peut comprendre ça. Mais de toute façon, la loi reste la loi. Oui. Dour à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, vous choisissez le chemin pour bandit, eh bien, sort c'est prison ou la mort. Vous avez fait une équation très simple pour expliquer que chaque commissaire dans la zone par responsable de l'ordre public, traquer bandit, garantir la paix. D'ailleurs, le mot police très lié à la question de ville. C'est ça. C'est un bail qui est là pour permettre que les gens fonctionnent dans la ville, circuler normalement. Yes. Policiers, yeah. Ouais, qu'il y a comportement, attitude, etc. Et puis, le commissaire lui-même lui supposait demander à la direction générale là, moyen. S'il va gagner, moyen pour le faire travailler. La direction générale lui-même va le demander. Je me pose une question là. Souvent, les gens épinglés dans ce qui a passé là. Et par rapport avec inopéra et le fait que la police est inopérante, il y a épinglé justement l'institution ou bien structure qui l'a pour rendre opérante là, qui c'est le CSPJ. Est-ce que vous pensez ou même comme CSPN ou CSPJ? CSPN, pardon. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous pensez ou même comme ancien policier qui travaille dans l'institution hein, et par rapport à la distance ou bien aujourd'hui de regard ou bien sur l'institution aujourd'hui que CSPN n'a son handicap? CSPN n'a son handicap dans la mesure où c'est lui-même qui doit bailler pour sa moyen pour l'équiper pour le faire travailler. Mais CSPN semble bailler l'autre tout. Non, il dit pas qu'il doit bailler l'autre. CSPN c'est une instance qui l'a pour définir la politique de sécurité publique. Donc, les plus on organe stratégique qu'on organe d'opération. Mais opérationnalité de la police, elle dépend de direction générale de la police centrale, à travers ces trois directions centrales.
C'est la direction... Direction centrale de la police administrative, DCPA. Direction centrale de la police judiciaire, qui est là pour chercher renseignement, faire enquête, etc., pour connaître tout ça qu'a fait. Et puis, direction... direction centrale des services généraux, DCASG. Donc, qui plusieurs rôles de direction logistique. Oui, bail matériel, tout à fait, tout à fait. Machines, armes, etc. Yes. Maintenant, ce n'est pas CSPN qui a passé l'autre. Moi, je trouve ça absurde pour la police à monter opération pour l'impliquer CSPN. Il va normal. Il va normal. Au ministre de justice, ou pas qu'à ministre de justice en même temps pour passer l'autre pour la police faire opération. Ou pas qu'il doit là. Mais qui ça dit que bandit, ce n'est pas mon lié. C'est la politique qu'on fait au même. L'homme a arrêté, lui. Ou à la guille. Et c'est ça que femme toujours dit policier yo. Même là où on arrête juge la guille, job ou c'est pas plein, c'est arrêté. Autant de fois où la guille, autant de fois on va pas arrêter. Ça connait les policiers qu'on y a retour là qu'on est genre fatal. Fatal. Oui, tout à fait, tout à fait. Fatal pour lui. Ben c'est ce sont les risques du métier. OK? Mais ça qui est important c'est que ou arrêter mon nan, yo la guille, job ou c'est arrêter encore. Ou pas pour dire que, ah non, chaque homme arrêté, il y a la guerre, je ne vais pas arrêter encore. Non, non, le job n'est pas fini là. Autant de fois que il y a la guerre, autant de fois qu'on a arrêté, autant de fois qu'on joue une infraction qu'on a commis, autant de fois qu'on a arrêté. Donc, CSPN n'a pas à supposer un handicap pour la police. Là. Ou quoi ça fait un handicap? C'est parce que, depuis quelques temps, regardez bien pour vous, lorsque Gédéon était là, il était un mandat, que vous n'avez pas de révoquer, vous n'avez pas de mettre en disponibilité. Donc, Gédéon, t'es contre travail. Maintenant, après Gédéon, tout le monde qui nomme, c'est AI. Donc, dans le souci pour protéger, job chef là, eh bien, Levin censé prendre en prise politique là. Et c'est ça, n'a pas vu. Indépendance, si pas rien. C'est ça, n'a pas vu depuis quelques temps. Bon, je dis à la moi, LB, son technicien me connaît. Monsieur capable, me connaît capable, me connaît bien compétence, tout. Nous voyons que ce n'est pas le même monde. Oui, et tant que la police n'a pas un appui politique là, tant qu'il est faible, et s'il a un appui politique là, où est le ville et plus ou moins. Demain là, LBG ne doit pas chef police encore. Parce que son lettre qui nomme l'AI, on l'a nommé l'autre monde AI parce que pas grand mandat. Le législateur a été dit que police, la directeur police a un mandat de 3 ans. Ce n'est pas sans raison. C'est pour ne pas subir une prise politique. C'est pour ne pas subir pression politique. Maintenant, mon directeur général AI, il va pas supposé faire 3 mois AI, non? Comme dans une situation de désordre total. Oui, AI, c'est pour mettre le directeur tout de suite après. Ouais. L'exécutif norme. Confirmé. Ouais. L'exécutif norme. Le Parlement ratifie. Et après la ratification du Parlement, le directeur est devenu directeur général. Et il a un mandat de 3 ans. Avant 3 ans, ça, sauf pour faute grave ou pas carrément, le salaire est plus maille de manœuvre. Donc, dans une situation comme ça, il n'y a qu'à expliquer par exemple l'efficacité, on est quoi, Mario André Sol, tout à fait. Gédéon. Tout à fait. André Sol est efficace. Non. Depuis l'heure pour la police, c'est parce que tu as une volonté politique pour traquer les bandits. Avec la torture. La torture, tu es même retrouvé dans la police. Lorsque tu te dis que yo tire sur nous, nous tire sur yo. Si tu n'as pas les lui-même, il est tête comme policier. Comme chef CSPN, il est tête comme policier. OK? Donc, tu as une volonté politique. L'heure de Solvini, il vient ratifier comme. Comme directeur général, Livien Préval, encore, André Sol gagne toute maille de manœuvre. Li. Donc, lorsque directeur général, la, ou bien commissaire police, alors, là, nous n'avons pas de général, mais même commissaire de police, n'a pas été à lui. S'il n'a pas de maille de manœuvre, il n'a pas de travail. Tout. Parce que ça qui passe, il y a un poste, je dis à là, qui est commissaire de police. On dit que le capable commissaire principal, comme professeur arrondissement,
il capable le commissaire principal, mais qu'il y a plusieurs commissaires dans l'arrondissement qui répondent de l'ordre. Un, les gens ne doivent pas avoir moyens. Deux, les gens doivent décider pas travailler tout. Parce que, vous ne pouvez pas dans la police. Pendant que tout 18 ans, je suis toujours ouais. Les gens qui paresseux, ils ne pas ni mourir, ni blessé, ils ont toujours 20 grades, les plus 20 grades. Les gens qui pifouguent, ils ont toujours puni, ils ont toujours des problèmes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc, problème. Parce que. On recompense les mauvaises personnes. Tout chef, toujours besoin de garder poste. Et dans développer sentiment, attachement à poste avec là. Poste là, il vient. Il fait n'importe quoi, il fait sous-sous. On prend et puis on va parler tout ça. On prend nous. Voilà. Et ensuite, on connaît la réalité. Et depuis là, ça existait. Gon bagay, gon zam, yo utilisé contre tout policier ou bien contre tout. Alors, même dit tout policier, chef tout, y compris. Transferment. Ou bien résultat qui pas répondre avec désir politique ça. Il dit, m'bavle monsieur là. Transférez monsieur. Transférez monsieur. Donc là, il y a un commissaire de Port-au-Prince. Il a transféré, il a nommé le commissaire lié. Il a vu le commissaire Bédouen. Bédouen n'a même pas un commissariat. Il a vu le commissaire Ressouche. Il va le passer misère. Il va le passer misère. Donc, il là lui-même, qui connaît la réalité ça déjà, il garde un profil bas. Il garde un profil bas, il dit, il va venir pour transférer là. Il va pas le risquer là, la risquer transfert. Donc ça veut dire dans organisation administrative, organisation interne la police là, gagne un ensemble de pratiques qui empêcher la police qui empêcher moun yo et qui empêcher moun fier du fait que il était font bon travail, yo féliciter lui, yo encourager lui. Yo récompense rarement les héros. Rarement les héros. Rarement, très rarement. Donc pour les policiers, pour le, normalement, un policier, c'est un monde qui joue constamment à l'héroïsme. Il n'y a pas besoin qu'on ait que pied la cassé pour le voler en l'air, pour le sauver au monde. Mais jusque, il décide de faire. Il fait. Conséquence à venir après. Mais l'elfine fait. L'elfine fait, mais il faut le récompenser. Parce que, si jamais il a perdu Vili, il faut qu'au moins la famille soit capable de bénéficier de ça. Et nous tous connaissons qui, plusieurs fois après, il est dans la radio, il a expliqué comment il a maltraité la famille policière. La police de 27 ans d'existence, pour que jamais une décision qui prend pour dire que lorsque le policier a mouru, s'il mourit, qui était timon, un exercice fonctionné, qui mineur, ça allait supposer aller joindre la famille. Et ceci pendant combien de temps et... Ça a existé pour l'armée. Moi-même, son j'aime, j'étais timon de 10, 11, 12 ans, qu'on a sorti Jacques Melvin, touché, chèque, et on neveu moins dans le quartier général. On grand soeur moins, et papa le tessé, j'en ai la mêle mourir. On chèque pour timon, non? On chèque pour maman. Ça quoi? La mette fèl. Et pour qui ça, la police a pas qu'à faire tout. La police a mou un exercice fonction. Mais pour qui raison que ça l'a tap pas qu'à une famille. Oui. Donc, dans le problème interne de la police, tantôt, il y a un problème salaire là. Il y a la question des grades qui a distribué à toi et à travers, sous base de tes amis, etc. Il y a aussi un bon nombre de policiers qui font aussi partie des gangs. Et ça, peut-être qu'a fait partie de éléments qui rendent inopérante la police. Là. Alors, ma commencé par la deuxième question. Il n'y a pas de police parfaite. Il ne faut pas s'étonner d'entendre, ou bien pour attendre des gens, à dire qu'il y a une police qui est dans la gang. Ça n'a pas étonné, non. Ça n'a pas étonné. Parce que pas de police parfaite dans le monde. Là. Toujours une perfection. Mais dire que
la police gon pi fò police nan gang. Non, ça c'est exact. Non, on va dire ça tout. Non, 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 gon discours comme ça dans la rue. Gon discours comme ça. Et on dit fò discours ça li fait, li contribue tout dans insécurité parce que ou même comme citoyen qui gon bagay k'ap fèt ki mal bò la kayo. Ou t'as envie d'y aller en policier mais ou peur parce que ou comme si on dit pif faut policier dans gang. Donc ou capier jeter. Ou peur ou pas tomber, oui, il y a moun ki kon expliqué à l'an DCPJ après ça bandi rele yo di a mo sot dans DCPJ de bagay comme ça. Un policier qui dans gang li dans gang pour ses risques et ses périls. Parce que le connaît déjà li entre dans ce soit gang ou mille policiers. Maintenant la police à travers structure interne li yo. Il t'a supposé faire enquête pour connaître qui policier qui dans bagage ça. Il mange yo. Juste il mange yo. Et puis faire face avec la justice. Autant de fois un policier choisi pour la gang, autant de fois la police a un devoir pour l'arrêter policier ça pour le traduire à la justice. Ouais. Bon autre problème encore, bon bonne partie dans policier yo qui gagne quand même un train de vie. Qui n'est pas cadré à l'agent qui va recevoir. Ouais. Et il y a plusieurs barrières qui ont expliqué ça. Peut-être que les gens ont de l'autre source de revenus. Et ça n'a pas écarté. Sauf qu'un policier est mobilisé constamment. Et c'est compliqué pour nous qu'il y ait un temps pour créer de l'autre source de revenus. Mais en même temps, tout, il y a un droit de revenus par an. Tout. Ouais. Même s'il n'a pas arrêté tout, qu'on ait que par an qui était un barrière pour lui et puis lui-même. Il a tellement aimé la police, c'est dans la police qu'il est allé, malgré un salaire dérisoire. Mais et ça aussi, c'est peut-être une source et de sécurité dans la police, là, même par rapport aux problèmes internes qui gagnent, parce que la police n'a pas fait suffisamment de vetting sur les policiers. Et il parle tout du fait que on laissé aller dans l'enquête de proximité qu'on fait sur Mounio avant même qu'il entre dans la police. Depuis 1997, la majorité des gens qui entrent dans la police, là, ils sont entrés dans la police là, pour devenir policiers par amour, on dit majorité, pas du tout, bien entendu, mais en plus, venir dans la police là, pour changer les conditions de vie. Ouais. Moi, je dis 1997. C'est parce que pas de travail qui fait venir dans la police là. Si tu as l'autre filière qui était développée, peut-être que tu as fait l'autre travail. Parce que nous-mêmes, 95, début 96, nous commençons à comprendre que place n'est pas là. Parce que nous étions à parachuter sous tête nous, alors que nous étions dans une session, session hiérarchisée. Donc nous avons supposé faire progrès dans la carrière là. Donc nous avons retiré envie pour faire carrière là. La carrière. Nous, après, ça fait un pile policier là, même si vous avez un grade frustré. Parce que depuis 96, nous avons commencé retirer en ville à Kaikoussa pour faire carrière. Maintenant, police, chaque police, tout, un commandant qui a dirigé, on dit commandant bien entendu, ça veut dire ça lié, qui a dirigé une antenne de police, il compte tout policier. Moi-même, t'es commandant de police, je compte tout policier. Je compte tout ça, un tel qu'a fait, tout ça, un tel qu'a fait. Donc, vetting non facile. C'est volonté pour gagner. Mais ça qui parle passé. C'est que les policiers rentrent dans la police ou qu'on est que ou sont salariés. Gagne en vie ou pas gagner tout. Gagne ou pas gagner. Faut tenir compte de salaire. Policiers généralement les snob. Li remet coquer ma coude. Côté mel bacaille. Côté mel bacaille ta comme on dit. Parce qu'il faut le faire où il y a plusieurs madames, etc. Plusieurs ménages. Et des gens qui font des exigences chaque jour. Donc, policier ça, il est facile pour l'entrer dans la corruption. Mais non, quoi, il est facile. Il est facile pour la police dans lui-même résoudre le problème. Parce que le policier, on va attendre toutes sortes de même si le policier a été un chef gangé, depuis qu'on convoque un inspecteur général qu'elle saute. Donc, c'est encore l'inspection générale qui n'a pas fait travail. Pour qui ça? Parce que, je ne sais pas contre qui ça. L'inspection générale, depuis le fait, il n'a pas fait le rôle pour le jouer.
Il est plus chita dans la violation des droits de l'homme. Ouais. Au lieu que le chita dans le fonctionnement interne de la police. La police est venue, on plainte, il faut pour lui. Que le policier en tant que pas en tant l'a sanctionné. A toujours sanctionné. Les policiers ont été convoqués dans l'inspecteur général. Pour les bagages, ils ont fait mettre lui dans mesure conservatoire. Après, le lever mes yeux là, ils mettent à attendre avec un transfert. Une sanction. Parce que pour les policiers, un transfert sont sanctions liées. Parce qu'ils ont même tout qui est dans la structure de commandement, ils ont fait transfert tourner en sanction pour les policiers. Donc, les policiers viennent plus trouver nos situations. Côté que les en face, même la police, la travail là, que les travail dans l'intérêt institution. Là encore, son légèreté, là encore, son problème, son manque de responsabilité de la part de l'institution. Suffisamment attaché à l'institution, il va défendre l'institution. Maintenant, à côté de ça, nous connaissons que les policiers, c'est un individu, son monde, oui. Il y a aspiration. Oui. Ou pas qu'après un policier, lui incorporer la police à garde d'agent 1. Mais il faut le connaître dans 10 ans, ça l'a pied. Dans 15 ans, ça l'a pied. Dans 20 ans, il va être éternellement agent 1. Il faut le connaître, il faut que ça écrit déjà. Donc il faut le connaître que. Il faut le connaître qu'il est fort pour le faire tout, pour s'il besoin d'un grade ou bien un bagarre en plus. Tout à fait, il faut que ça vous définit. Donc ça veut dire que si une culture de sanction, on a pas de transfert. Comme sanction, il faut qu'on culture d'encouragement et de qui motivation. Qui permettre aux policiers d'aspirer avec carrière. Maintenant, comme structure de commandement, mais on suppose qu'on ait besoin de policiers ou tout. On a regardé bien pour nous, tout récemment là, tu as gagné SPNH, tu as gagné Fantôme 509, qui t'a fait mouvement. Augmenter ticket. Augmentation salaire. Et puis, bizarrement, cette ticket là augmente vrai. Police est content. Parce que il était bal 5 000, il vient 10 000 gouttes, il vient 15 000 gouttes. Il est content. Mais, ou pas qu'à demander un petit tout pour ne pas manger sucrerie. Autant de fois qu'on va manger jusqu'à ce qu'on vomit. Mais ça, pour connaître que sucrerie pas bon. Ouais. D'accord. C'est l'Europe dirige. Tu cadre là pas bon. Tu cadre là c'est sucré. Non, pas même là. Parce que pas oublier. Plus on augmente le salaire, plus le salaire il y a moins d'augmenter encore. Oui, bien sûr. Ça c'est un principe élémentaire dans l'économie. Élémentaire, oui. C'est la loi d'Engels. Plus on augmente le salaire, plus on dépense. Donc, on devrait avoir touché 5 gouttes aujourd'hui là. Après 2 ans, on va toucher 25 gouttes, même pas qu'acheter, soit on va toucher. Oui, mais en effet. 5 gouttes là. Donc, ça veut dire augmentation salaire, il ne parle pas de dire rien. Maintenant, qui ça, le policier a besoin? Le policier a besoin pour. Qui ça dépense lié? Qui ça dépense lié? C'est logement. C'est logement, merci beaucoup. C'est éducation. C'est éducation. C'est nourriture. Voilà. C'est là pour résoudre. Li. Si nous avons que un plan dans la police, si SPN a élaboré un plan, il dit bon, ok, chaque policier, depuis le volet, l'État a engager un fonds de garantie. Un fonds de garantie pour crédit police. Policier, depuis l'État disposé, tant qu'on boulit pour caille. Et vous établissez tous les critères possibles pour jouer prêt ça. Bon, pour ne pas juste débloquer comme la dépenser. Bah, tous les critères. Policier ça, caille ça. Son prêt, le policier a fait pour Kaeli, mais la paye chaque mois pendant 30 ans. Il va ressentir ça. Il va avoir un gros crédit la payer. Oui, qui, déjà, l'idée pral... que il a Kaeli, il va gagner pour la beauté, etc. Ça va être un souci de confort. Tout à fait. Donc, il y a une assurance. Maintenant, le policier, ça tout, il ne faut pas dire qu'on peut le transférer pour mettre dans le cas encore quand on peut le transférer. Donc, déjà, il faut envisager une possibilité pour les policiers travailler côté que les cas travaillent matin, dans la calle après-midi, dans le travail après-midi, dans la calle matin. Un. Deux, les policiers auraient une petite machine. Ou qu'à prendre mesure pour les policiers un crédit pour une petite machine. Ouais.
que la paix dans 10 ans, 15 ans, qui ne va pas déranger encore. Maintenant, qui sont en train de ça? Non seulement, vous mettez les policiers en sécurité pour l'aspirer carrière, et avec possibilité pour le grandir dans le grade là, pour lever un agent, deux agents, trois agents, quatre inspecteurs, etc. Et même commissaire, il connaît que là, il a fini dans la carrière. Il a fini inspecteur divisionnaire ou bien commissaire de police, au moins. Donc, il connaît que là, il a aller avec une retraite bien, bien méritée. Ouais. Maintenant, crédit ça, police a gagné la paix. Il y a même dans l'assurance pour la police. Tout. Parce que la police a connaît immédiatement. Que les fonds qui passent, il a sanctionné la paix. Il a perdu ça. Il a perdu tout net. Il a perdu tout net, oui. OK. Yeah. Donc, ça veut dire que la police n'a pas suffisamment investi dans la police. Mais non! C'est ça qui fait l'icatrahil à n'importe quel moment. Parce que vous pouvez créer un rattachement entre institutions et les policiers. Tout à fait. Maintenant, dans la police là même, dans la structure déconcentrée, la police a créé une disparité à tout. Il y a des services à l'intérieur des commissariats qui rapportent. Et les gens qui n'ont servi ça, c'est l'argent qui l'a fait. En plus de salaire. Le ça ou mettez pour l'autre policier ça qui pas dans tâche ça qui pas fait l'argent en face de l'autre policier ça qui a fait comme là. Et puis vous mettez dans une situation pour justifier la corruption. Ouais. C'est la police qui va pas recevoir l'argent. Il va pas recevoir l'argent. Donc si l'État veut que il y ait des services payés à l'intérieur des commissariats, mais que vous allez dire mon avis dans un CPJ ça? Oui. À part des CPJ ou besoin certificat, il doit aller au CPJ. Aller dans DGI, oui. Donc, mais vous voyez, aller dans DGI et puis bon, il va le service là. Parce que le policier, ça, qui n'entache ça, qui a fait un cop en plus là, ou vient créer une disparité par rapport avec l'autre, yo, qui va faire comme la ligne. Et ou, parfois, le policier trouve dans une situation pour le faire le double, le triple. De salaire que la police compte balayer. Et tâche ça, il y a tâché avec lui. Oui. Donc maintenant, l'autre policier, ça lui-même qui est marginalisé, on parle de telle situation lui-même, pour chercher l'autre source de revenus. Oui. Et c'est comme ça qu'on est à l'île. La rassonne les gens dans l'arrière. Et puis tout, les gangs dans le côté de tout, il est facile. Il est facile pour les sombrer. Je vais poser une question là et m'a plus interpellé les sociologues là, dans la question ça, c'est une question qui a rapport avec la société. Hein. Pour qui ça, et longtemps nous avons gagné dans le monde qui dans la société après fait partie de l'armée, il y a un mulâtre là-dedans. Pour qui ça, pas un mulâtre dans la police là? D'abord, et c'est un constat que je fais, me fait constat longtemps. Qui, l'armée, ça que nous avons gagné, hein, l'armée après occupation, c'était comme l'année que bon dit. C'était un garde prétorien. Ou pas de l'armée, effectivement, pour le territoire national. Donc, il était plus semblé un corps de sinécure. Parce que l'armée, job un soldat, c'est à la bataille. Ou qu'à mourir, ou qu'à tuer. C'est job pour l'armée. Mais si vous regardez l'armée, depuis 1929, jusqu'à ce qu'on arrive dans 1994, il n'y avait pas dépassé 10 000 personnes. Oh, Dessalines commençait à 52 000. 52 000 hommes sur Dessalines, ils pourraient réduire jusqu'à 7 000 hommes. Pas de gola, mais en fait. Pas de gola, mais. Donc, là, on dit, Aristide crase là, mais moi, ri. La mère, t'es juste capitulé. T'es déjà crasé. T'es juste capitulé parce que pas qu'à battre avec force qui vient. Force américaine débarquée, plus grande armée du monde. Mais l'armée pas qu'à battre avec lui. Il a capitulé. Donc c'est pas un monde qui crase l'armée. Un monde qui militaire qui dit ça. Oui, ou parce que oublié Djobo. Djobo, c'est pour mourir sur le champ de bataille. C'est la défense du territoire et la défense des intérêts nationaux. Nationaux, c'est ça. Maintenant. Mulat là lui-même qui entre là-dedans, c'est parce qu'il n'a pas pris aucun risque. Donc, ou jouez un pile nèg, soit par amour, là où on joue un officier campé, il rêvait officier tout. Donc, deuxièmement, il était en garantie
pour parents et tout, qui est dans le commerce. Ouais. Là, la police a fait. Il a commencé la police avec base là seulement. Et puisque je commence avec base là seulement, on est d'accord avec moi. Il n'a pas choisi base là. Et nous tous qui étaient dans la police, nous pas jamais connaît tout, c'est dans la base d'apporter. Nous ne pas jamais oublier ça. Alors, c'est un policier qui t'a raconté ça, son témoignage. Quand sera monté militaire. Ouais. Le col sera mort, le lame écrasé, le col sera mort, aller composer dans la police, il réussit, il est policier. Gagner un officier de l'armée qui croise, il dit non, retenez une femme dans ce. Nous avons un projet pour. Parce que tu as un projet pour te nommer officier policier pour te prendre à partir d'anciens militaires. Encore, tu as pris une commissaire, effectivement. C'est un type d'agent de la commissaire. Il est passé dans le programme, ça. Dans le programme pour intégrer les militaires. Maintenant, ça veut dire un bagage. Parce que les gens qui peuvent entrer là-dedans, ils demandent des conseils. Et les gens qui te connaissent disent non, 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 vous n'avez pas besoin d'entrer là, l'académie a prouvé ou entrer là-dedans. Vous parlez de ça devant. Tu as gagné, tu as gagné Grimaud, oui, mais tu as évoqué de très tôt, Ralph Batalien. Mais c'était évoqué de très tôt. Mais c'était seul. Non, ce n'est pas un problème. Grimaud, on va parler de mulâtre en termes de classe sociale. On va parler de lui. En termes de classe sociale, c'est seul lui-même. Là, il a venu avec projet, pour qu'il a venu avec académie, pour intégrer la police. Et bien, en pile, dans yo, tu es en train de marrer saucisse, tu es capable de dire. Pour entrer là-dedans. Yeah. Donc, ou si vous voulez comprendre là et mettre et un seul Salomon, si l'origine de la puissance des gangs, c'est au fait dans le dysfonctionnement de l'État. Et l'implication de la politique dans la criminalité. C'est ça qui fait gang puissant en réalité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la police qui n'est pas capable, c'est. La police vient pratiquement entre l'enclume et le marteau. Et le marteau. Donc c'est ça qui passe. Ou gagne politique là qui considère gang comme armée de réserve. Or, c'est politique là qui pour équiper la police là pour faire opération. Oh, il arrive que gang pile homme politique qui de connivence avec gang. Et eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont en tête de l'État, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions. Et qui n'ont jamais rêvé tout pour la police à mettre main sur un gang tout. Parce que le gang n'a pas fait rêver sur eux. Donc c'est ça le problème, non, en réalité. C'est ça le problème, non. Maintenant, qui gens ça va le résoudre, nous pouvons comprendre ça. Parce que si c'est politique là qui définit. Donc c'est le problème gang, non, c'est dans la politique là pour le résoudre. La politique pour le résoudre d'abord. La politique d'abord dans la politique là. Et puis là pour ça. Pour les résoudre après. En effet. Tout autant que politique là, qui aime la police en otage, il n'est pas jamais capable d'opérationner. Tout d'abord, un conseil, je viens de dire là, qui ça l'a bien. Bon, un conseil, je suis capable de bailler. C'est. On conscience d'abord au niveau des politiques. Monsieur Ariel Henry, Premier ministre, président. Jean Davlil, de facto, c'est lui là. M'ta souhaité que y ait un déclic qui fait dans l'esprit. Pour dire bon, on a décidé de résoudre le problème. Et puis, décider de résoudre le problème, et m'assurer, pas prendre trois mois pour le résoudre. Parce que le ça, toute la police pral connaît que. Même Jean-Marie Prévalde dit gang yo, c'est ce qu'on dépose au bureau. Tout policier motivé pour faire opération. Ou bien l'arrêter gang là, ou bien mettre la tête. C'est pas qui simple. Là, je parle en tant que policier, alors ancien policier, en tant que technicien. Comment comprendre? Gardez tout le monde. Si vous avez gagné. Ah bon, la police équipée, vous ne pouvez pas faire face avec gang. Yeah.
normal, monsieur. C'est la police qui vous bat un guillotinement, monsieur. C'est pas normal. Tout le monde est gagné. Mais la police qui peut pas faire face. Non. Non. Ça, c'est questionnable. Un, il faut que les policiers animés de la volonté, il faut le motiver pour le connaître que la France travaille patriotique, pour le connaître la fête job li et pas gagner aucune conséquence qui vient après. Et pour le faire ça, il faut que la politique là baille le temps. Et tout autant que la politique là baille le temps et que li lié avec un ensemble politicien qui voulait partir à la conquête du pouvoir ou bien retenir le pouvoir, nous pas sortir. Merci beaucoup, Maître Kensel Salomon, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi, en pile causé parler. Ouais. C'est un plaisir pour vous d'être là. Mais oui, j'espérais que l'autre livre là lui-même n'y paraît. Donc, je suis bien content, nous faisons un bel échange et donc, moi apprécier connaissance ou gain de l'institution, puisqu'on dit qu'on fait 18 ans là-dedans. 18 ans. Et capacité critique qu'on gagne tout en prenant un peu de distance. Et par rapport avec l'institution, ça a été appartenu pendant longtemps. Merci. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition de l'invité du midi. Nous avons avec nous Maître Kensel Salomon, qui est un ancien policier, qui est un sociologue de formation, avocat, et puis qui a une spécialité en investigation criminelle. Nous sommes parlés avec lui sur l'origine puissance gangue et nous comprenons que c'est l'État lui-même qui a la base problème là et nous souhaite faire pratiquement radiographie de la police nationale d'Haïti et nous comprendre que la police là pas qu'à répondre avec attente qu'il y ait des liens si l'État lui-même pas le moyen. Nous dit tout le monde qui était branché, merci, nous casser rendez-vous pour l'autre jour. Au revoir, bye bye.